Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Monsieur le Mégal et on se retrouve pour un nouvel épisode de Outlast en compagnie de Mister Tony. Salut. Et encore une fois ma cousine car elle squatte chez moi en ce moment. Yo. Tout le temps yo, hein, on sait pas pourquoi. Donc, que je vous explique un peu la situation, on a un peu changé. C'est-à-dire que j'ai mis le jeu sur mon grand écran. Et oui. Que j'ai le Blue Yeti entre mes jambes. Et que on a le son à fond et ça pète sa mère. Enfin bref. Voilà, donc on s'était arrêté ici, là, exactement où il y avait le sang. Et qu'on voulait s'arrêter parce qu'on avait peur. C'est moi qui joue, hein. Parce que Anthony, il avait joué la dernière fois, donc voilà. On commence tout de suite. Je sais même plus comment on joue. Attendez, faut que je retrouve les touches. Alors attends. Comment on met la caméra? Non, c'est le caméscope et la thermie. T'as vu l'ombre sur le côté là? Oh, elle bug la caméra. Est-ce que t'as vu l'ombre sur le côté? Non, je l'ai pas vu. Il y avait une ombre, là, il y a plus d'ombre. Ah, 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 mais c'est moi, non? Non, c'est pas c'est pas moi. Bon, Manon parlera pas beaucoup parce qu'elle s'en fout un peu. Non, je déconne. Bon, attends, ça c'est le thermique. Ouais, c'est ça. J'espère qu'ils entendent pas trop le... Non, je déconne. Ouais, mais je l'ai mis derrière le micro. Excuse-moi. Donc voilà. Ah, après, juste... L'ombre, elle me fait peur. Voilà. On lui a donné sa chance. Oula. Je trouve qu'on a été... Ah. C'est fermé. T'es sûr? Oui. Très professionnel dans la maîtrise de nos impulsions. C'est ceux qui sont à poil, je crois. Ah oui, c'est celui qui voulait manger l'oreille là. Moi j'ai vu qu'à un moment il gèle une personne, un mort. Ouais bah c'est ça. C'est eux. Comment ils vont se baisser? Je sais même plus. Baisse-toi. Baisse-toi. Pas de baisser, c'est juste pour aller sous les lits, je crois. Si on peut se baisser. Je suis sûr qu'on peut se baisser. Ce serait passé de ce détail. Ah, je sais. Voilà, t'as vu ou pas? Oh le temps. Fais attention alors, à eux, alors attends, tu sais quoi là? Ici je le sens pas bien du tout. Ah, c'est la prison. Hey, c'est là où j'étais. Mais heureusement qu'ils sont tout le temps enfermés. Ils se battent près de la prison. Par la fenêtre, je pense. Appuyez sur A pour sauter tout en vous déplaçant vers la corniche. Oh, oh là là. Mais ils vont me niquer, non? Quel gueule. Mais ils sont juste là. Avance, avance, avance. Pourquoi ils veulent que j'y aille ici? On est des fous, avance. Mais c'est des malades mentaux. Mais ils sont là, les gens. Oh là 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 là. Mais c'est plus là. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Non, oh mon dieu. Non, moi j'ai envie d'aller encore plus loin. C'est fermé les autres. Je peux pas. Genre je peux pas. La prochaine fois préviens. Oh, j'ai eu peur. Là j'ai eu très peur. On peut aller voir là-dedans. Oh là là. Alors j'entends pas beaucoup le son, je sais pas vous. Mais enfin normalement dans la vidéo ils entendent bien puisque c'est juste à cause de mon écran qu'on entend rien. On ramasse la pipile. Ça en fait combien des piles? Ça en fait exactement... Ah, j'ai pas filmé. Neuf. Oh, neuf. Mais on est plutôt posé. Alors... pas des dossiers par là? J'ai peur qu'ils viennent en fait. Oui, moi aussi. Bonjour toi. Tu m'as l'air très mal en point. Tu sais à quoi il me fait penser? Vas-y, dis. T'as déjà vu dans l'escalier de Mommy? Le mec en fauteuil roulant. Là les références. Voilà. Sky Movie. Dossier confidentiel. Voilà ouf. La maintenance des portes du purge est cruciale pour la sécurité du projet Wallrider. Reportez-vous au manuel de maintenance truc chouette de la Murkoff Corp ou demandez conseil à un superviseur disposant de l'habilitation de sécurité appropriée. J'aimais bien quand elles étaient longues, ça permettait de se déstresser. Alors regardons les caméras. Non, on regarde pas les caméras. La dernière fois qu'on a regardé les caméras, on s'est fait... On s'est fait piquer. Bon, ressortons d'ici. Alors attends. C'est quoi qui est défoncé? T'as vu? Genre, tu sais, je peux passer ma tête comme ça à travers. Il y a des vitres juste en haut, mais c'est pas grave. Y a pas de vitres là, elle est cassée. Bah oui, mais justement, je me prends des morceaux de verre. C'est normal que je peux faire ça, moi. Regarde, là, je suis en plein dans le morceau de verre. Tu sais, j'ai vu. What? Et donc? J'ai vu ma main. Je sais pas toi. C'était là qu'on était sortis. Oui. Oh, j'ai cru entendre quelque chose. Moi aussi.
Pourquoi il fait ça lui? Tu crois que c'est marrant de faire ça ou quoi? Elle bug. Il y a un peu beaucoup de sang. Hein. Oui, bah il faut suivre les traces de sang en fait. Depuis le début du jeu, tu fais que ça, suivre les traces de sang. Il y en a beaucoup. Il fait vachement noir là. Ah, c'est rassurant. Ah, mais il y a une porte toute seule. Il a une casquette, ton bonhomme? Je sais pas. Je sais pas, il est voir dans l'ombre. J'ai pas envie de l'ouvrir en fait. J'espère qu'on peut pas. Et mon téléphone qui a sonné. Bon bah... On ouvre cette porte? C'est les douches. Cette porte nécessite une carte codée. Ouais, on va pas passer la porte, j'avais peur de toute façon. Allez voir le gardien. Ah bah non, faut aller là. Génial. Je sais pas où mais je le sens pas. Hey, je vous jure, je stresse vraiment. Enlève la nature. Avance. Oh, il y a le gros. Comment il me donne des ordres, lui. Enlève la caméra nocturne. Avance. Il faut le contenir. Une carte. Ah, mais je sais pas pourquoi, je sens que dès que je vais faire demi-tour... Regarde en bas. S'il te plaît. Il y avait les gros, ils... Ouais, je sais, ils ont peur. Cours. T'as pas peur, toi? Non. Moi, je vois un gros comme ça, je me fight avec lui, attends. Moi, je sympathise. Sur le café? Faut trouver la sortie, tirer la chasse sur les... Hein? Ça devait pas être ça. T'es sûr de toi? Oui, j'en suis sûr. Les gens mettront pause, il y a écrit chasse. Je la sens pas, cette vitre. Mais si. Bon, je la sens pas, d'accord. J'espère qu'ils vont pas demander d'aller où il y avait le gros. Ouais, parce que s'il y a le gros, bah il va être énervé. Utilisez. C'est comme une gamine. Est-ce qu'on ouvre la porte? Ouais, parce qu'il va être énervé, hein. Oh là 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 là. Bah oui, hein, j'ai peur, moi. Oh, il fait tout nuit. Mais vite, mais la nocturne, là. On va refermer la porte, qu'est-ce que vous en pensez? Très mauvaise idée. Pourquoi? Il y a un mec qui arrive. J'ai pas très confiance là. En plus, il y a rien pour se cacher. Parce que moi, j'aime bien quand on peut se cacher. C'est pas des trucs pour se cacher, ça. On peut pas se cacher là-dedans dans les mini-casiers. Nouvel objectif, sortez par les douches. Ce serait... Bon, j'ai l'impression que mon épisode à moi sera tranquille, non? Quand faut pas que je dise ça parce que ça va me porter la poisse. Bon, médecin, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Oh non! Il va pas le... Oh, j'ai eu peur! Ah! Ah bah, je... Comment tu... Oh, les enfoirés! Tu m'as fait peur avec ton cri là, arrête. Arrête ça tout de suite. En plus c'est un cri assez chelou. T'as vu les fenêtres qu'il y a sur le côté? Ouais mais en fait... Non merci. Non. Ouais en fait, je pense que le gars vient de derrière moi, il faut que je suis encerclée. Ouais. Et je pense qu'il faut que... Tu passes par la, je passe par la fenêtre. Mais ça se fait grave pas. J'ai eu peur alors... là. Mon dieu, il a disparu. Ah donc ok, c'était déjà prévu. On ne voit pas dans le noir. Disparaît sans laisser de traces. Et bah ouais, je détecte du sarcasme. C'est quoi ces mecs là? Il nous prend pour des débiles. Ouais, totalement. J'avoue, je les prends un peu pour des débiles, hein, parce que... Ou des crétins. Non, les deux. Attrapons-lui, ouvrons-lui le ventre. Ah. Attends une seconde. Oui, c'est ça, faut pas lui ouvrir le ventre. Sarcor. Pourquoi il dit attends une seconde? Il va me choper ou bien c'est comment? Bah ouais, je suis sûr que s'il y a une tête qui va sortir par la fenêtre. Non, arrête de dire des trucs comme ça. Il a dit attends une seconde, c'est pas normal. C'est sûr, il va y avoir un éclair sur sa tronche. Il sait très bien ce que j'ai fait. Oh. Allez, vite, vite. J'ai pas envie de courir. Quoique... Non, je déconne. Allez, vite. Y'a rien là? Ok. C'est bon, on a une porte fermée. Mais... Fais gaffe, faut qu'elle revienne quand même. Dépêche. Mais non, tranquillou. Tu me... Ouais, tranquillou. Vous avez vu? Après il dit, c'est... Après il dit... Après il dit, c'est moi qui lui fais peur en criant, mais là, c'est lui qui est stressé. Mais dépêche-toi, là. Passe-moi le dé, là. Non. Oh, vous avez vu? Oui, mais c'est pour ça.
Et puis vous avez besoin d'une carte. Est-ce que vous voulez que je ferme la porte? Oui. Attends-toi doucement. Va où? Ah, c'est bon, c'est bon. On va là où il fait noir? Oui. En fait, j'ai pas trop envie d'y aller. Attends. Oh putain, je suis Maman! Pourquoi c'est aussi difficile? Eh, je vous jure, je stresse à mort. Clair pour l'instant. J'ai très chaud. Enlever cette caméra qui me casse les pieds. C'est ton ombre. Des petits bugs de tête. Et puis t'as regardé par la fenêtre. Tu te souviens ce qui s'est passé dans la prison? Ouais. Ouais, oh, c'est là où t'étais dans le bureau, non? Ah ouais, ils étaient... Ils étaient pas ici? Non. Sur le côté, t'as la vitre cassée, logiquement. Pourquoi on a besoin d'ouvrir cette porte? Non, j'étais pas là. Ah non. Il dit n'importe quoi. Ça ressemblait, oh là là. Oh, je vais pas appuyer tout de suite. Pourquoi? Bah, je vais voir ces autres trucs d'abord. Parce que ça, tu sais, ça permet de déverrouiller le machin. Ouais. Il y a des portes partout. Je commence à me perdre, ah ouais. J'aimais bien quand il y avait qu'une seule... Moi aussi, quand il y a qu'un seul chemin. Bon, alors, attends, tu sais quoi? Je vais laisser cet endroit-là. Et je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Là-bas? Ouais. Courage, courage. Pourquoi? Non, mais là, je pense que c'est pour aller dans le truc que tu dois ouvrir, tu vois? Bah oui. C'est ce que je veux dire. Plus ça va, plus il y a des cas. D'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Bah au moins j'ai trouvé la pour aller plus vite, tu vois. Ah non, c'est pas le même endroit, t'as vu? C'est en face. Hein? Mais si, c'est le même endroit. Je vais fermer cette porte. Sur le bouton là, ça va pas ouvrir celle de derrière. Hein. T'es sûr? Oui, je suis sûr, ça va ouvrir ce qu'il y a devant. Oh. Ça va allumer, je pense, parce qu'on voit rien. Y a pas un casier? Non. Bah alors s'il n'y a pas de casier, c'est-à-dire qu'on va pas me poursuivre. Normalement. Oh, je me souviens de ça. Tu peux faire ça et après tu peux faire ça. Enfin là, en l'occurrence, on peut pas. Bon, je vais fermer cette porte du coup, au cas où il y a quelqu'un qui débarque. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis prête. Mais la porte, ça m'empêche un peu d'entrer. Ouais. Là, gros. Quel gros? Où c'est que tu l'as vu? Derrière toi. Je pense la vie. Oh là là! Je crois que... Courez! Je peux pas! Il me semble que... Là! C'est ce que j'avais dit! Bah comment c'est ça s'ouvre? Vite! Vite! Ah, pourquoi tu t'es pas... Non, il peut pas monter. À lumière! J'ai commencé à stresser. Logiquement, il peut pas monter. Pourquoi tu vas aller regarder? Pourquoi tu te casses pas? Arrête d'être curieux. C'est quoi dans les films d'horreur? Les gens, ils gueulent, ils se cassent pas. Mais là, regarde. Temps, mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Ouais, non, mais... J'ai peur. Dis-toi que si tu tombes, il est juste en dessous. J'ai peur. Là, j'ai pas envie de tourner la tête. Ok, c'est bon. C'est comme dans vrai, quoi. Oh non, je suis obligée de descendre. Mais c'est cool, t'as fermé la porte, donc logiquement c'est vous. Mais je crois qu'il a pas encore défoncé la route. Si, si. Il a défoncé. Ça? Oui. Poursuivez. Tu descends ou pas? C'est toi qui joue. Tu vous dis sincèrement, j'ai peur. C'est toi qui... J'ai pas le choix. Oh! Ah d'accord. Oh! Ah non, c'est pas là! Comment on court déjà? Mais... Courez pour sauver votre peau. Ferme la porte. Dans le mauvais sens. Oh là là. Mais tu l'as enfermé avec toi. Tu t'esprit. Non, remonte pas, ça sert à rien. Si, si. Par la fenêtre. J'en ai marre. J'aime pas ce dit. Oh mon dieu. C'était pas par le côté qu'il fallait passer. Non, mais moi je suis sûr que tu l'as passé par la vitre que lui il a cassé. Par la vitre? Oui. Il a cassé la vitre là pour venir là. En face de toi. Oui, mais il est encore là ce con. Pardon. Bonjour.
Tu veux pas te casser genre... Je pense qu'il va tomber dans le couloir comme ça, il va sentir ton odeur. Il va chercher un petit coup de freestyle. Sentir ton odeur, c'est pas un chien. Qu'est-ce que t'en sais? Mais pourquoi pile quand je saute, il décide de défoncer la porte? Parce que c'est programmé. Et en plus, moi je me faille au lieu de ouvrir la porte, dans le, enfin de fermer la porte dans le bon sens. C'est chiant, ils auraient pu faire un truc. Tu l'enfermes. Je m'enferme avec lui. C'est que je t'aime bien. Si on restait tous les deux. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec, mais pourquoi il s'est suspendu comme ça? C'est un macaque. Ouh, ouh, ouh. T'aimes mon imitation du macaque? Non. Ouh, ouh. C'était prévu. Mais oui. Et je crois que j'ai saturé mon micro quand moi j'écris. Oh, c'est dégueulasse. Ah. Mais c'est cool, dis-moi. Mais c'est élégant. Au moins ils sentiront plus mon odeur. Je serai mélangé avec les morts. Pourquoi il a peur lui? Oh non. Alors pourquoi il a peur? Alors là j'ai peur moi. Non, moi je trouve ça. Je vais te faire vivre ça, tu verras. Pourquoi on peut se cacher sous le lit? Non, comme... Et voilà. Pourquoi ils sont... Je bouge plus. Je reste ici. C'est une clinique des piles au passage. Hein. Je m'en fous, je nique les piles. Je les emmerde, les piles. Nique la pile. Pile, pile, pile. Non. Non, passe-moi le dé, là, c'est une urgence. Je vais faire une crise cardiaque, là. Ah, vous avez peur, là. Tu te démerdes. Vous avez peur, là. Vous avez pas peur là? Non. Moi j'ai peur. Moi je suis zen. Est-ce que je me demande en fait c'est pourquoi? Pourquoi je vois plus rien? Eh. Changer la pile. Oh j'ai eu peur. Oh putain. Qu'est-ce que ah, c'est? Ah oui. Bah c'est sa bébé. Oh j'espère qu'il va pas dessus. Il a plus de tête. C'est bon, ouais, il fera rien. Lui. Eh mais ouais. C'est la prison ça. Oh, c'est pas là où le mec il se cognait la tête contre je sais pas si, quoi. C'est là. Ah oui. Tu suis maintenant c'est bien. Bah ils se sont tous fait massacrer la gueule. C'est bête pour eux. Oui, mais ça veut dire qu'il y a quelqu'un ici. Bon, bah, il y a le lit. Tu veux pas faire mieux? Il y a pas de lit. D'accord. Tellement, faut pas. Oh, bim, je suis part. Non, c'est impossible qu'il te trouve. Il veut juste manger un petit morceau. Non, mais attends, faut pas être con. Hein. Tout le monde se cache sous les lits. Hein. Tout le monde se cache sous les lits. Enfin moi je sais que c'est là que j'aime pas ta série là, ça me saoule. Pourquoi faire genre on a perdu le jeu et tout ça? Oh petite fille toi hein. Eh, si j'avais le dé, ça irait mieux. Oh putain. Je vais où? Est-ce que je peux aller là? Suis le chemin je pense. Ici? Oui, suis le chemin. De la destinée. Non, je déconne. Ça se voit, vous n'avez pas l'habitude de regarder des films d'horreur. Tu rigoles? Va voir Paranormative 5 au cinéma. Ah, mais je l'ai vu! Sans Logan. Mais sans Logan, parce que Logan a fait peur. Elle m'a explosé le genou. Ouais. Ah non, moi j'étais mordue. Non, mais les Paranormal Activity, c'est débile. Et si on le croise en face, je fais quoi? En fait, j'ai fait tout ça pour rien. Ah non, je suis libre. Oh non. Non, mais c'est pas vrai. Il sort d'où? Il sort d'où? Pourquoi il me tape? Pourquoi il me tape? Oh, je peux passer là, il peut pas passer. Il peut pas passer. Non, il peut pas passer. Oh lolo. Mais vous, il court. Il va me rejoindre de l'autre côté. C'est sûr que vous passer par là? Non. Je crois que c'est moi. À quelle patte, Yann? Oh putain! Oh purée! Il m'a fait peur! Bonjour, petit lutin! C'est moi! Je l'avais pas vu! Ta mère! Ah, je l'avais pas vu! En plus, Anthony, il a crié avant nous! Mais je l'ai vu, moi, j'ai vu sa main! Non, mais Anthony, lui, c'est une petite fille. Ça vous dit on s'arrête ici? T'es morte.
Non, je suis vivant. Ça fait combien de temps que je tourne là? J'ai peur. C'est pas là où il assassinait tous les gens là dans la pièce? Bah moi je vois qu'un mort. Hein. Mais c'est là où on voyait le Jean. Le Jean. Le gros porc. Ok, hein. Donc on est obligé d'aller là puisqu'il y a que là. Je vous dis, avant d'aller dans cette grosse salle, on peut s'arrêter, non? Non, on continue encore un peu comme ça, j'aurais pas besoin de... Bah non. Justement. Donc voilà, je sais pas combien de temps on tourne. Si c'est pas beaucoup, je m'en fous. Parce que moi là, j'ai les mains moites. Eh ben, c'est la... Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, c'est, hein, c'est fini? Ouais. Mais j'ai rien passé. Bah, oh, tu te fous de moi. Vas-y, tiens la manette, vas-y, donne-moi le dé. Là, ouais, tu vois, la prochaine fois, c'est toi qui vas jouer, on va voir si tu... La prochaine fois, je serai moi. Et donne-moi le dé. Non. Mais donc, tu m'agaces. Je déstresse. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Beaucoup de stress, beaucoup d'action dans celle-ci, hein, évidemment, beaucoup comme... Voilà, et comme par exemple, quand c'est moi qui joue, il y a beaucoup d'action, hein, voilà, beaucoup évidemment. Et voilà, donc c'était Miss Lolo Miguel, Mister Tony, et Manon qui n'a pas de pseudo. Bon allez, Manon. Salut tout le monde.